Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de booster Pokémon XY. Donc c'est en attendant la sortie XY étincelle donc de la série numéro 2. Alors on a ce sont des boosters sous blister, donc on a beaucoup plus de chances de tomber sur des bonnes cartes. Un booster Xerneas, donc j'en ai pris deux. Un méga Tortank, un méga Florizarre et pour terminer Yveltal. Donc voilà, j'ai pris les quatre illustrations. Personnellement, mon préféré, c'est Xerneas. Donc, vous pouvez me dire dans les commentaires lequel est le plus joli selon vous. Et ben, on va commencer par les deux Xerneas. Tiens, non, on va les laisser pour la fin vu que ce sont mes préférés. On commence avec le booster Yveltal. C'est parti. Et ben, sous blister, je vous garantis que les boosters sont très très bien scellés. Donc pour ceux qui veulent bien les ouvrir, c'est pratique. Voilà, comme ça, c'est très bien ouvert, vous pouvez voir. Voilà. Le code online. Le 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre la reverse et la rare à la fin. Et on est parti. On démarre avec un Brocélum. Coquillas. Rondoudou. Topiqueur. Scalpion en reverse. Donc j'ai mal fait le... Ouais, quand j'ai dû ouvrir le booster, ça a dû... J'ai dû me tromper, donc excusez-moi, je ferai mieux la prochaine fois. Une peu commune Super Ball. Ponchien en peu commune, encore, l'énergie métal, Brutapod en rare, et on finit avec Pérégrin. Donc la rare était Brutapod. Hein. Voilà, vous pouvez voir que c'est une rare, la 53e. Bon, bah booster moyen, hein, très moyen même. On enchaîne avec le booster Florizarre. Oh, on commence avec un très très joli Voltorb. Il est bien dessiné celui-là, je trouve. Un Fennec, Passe Rouge, Scalpion, Spoink, Dodrio en peu commune, Ténéfix, Rappel Max. Ah, une rare reverse Tauros, donc c'est une rare hein, en reverse, donc on aura deux rares en un booster. Et puis Crustabri. Bon, bah écoutez, deux rares que j'aime bien. Hein. Pour ma part, Crustabri, c'est la plus jolie rare, puisqu'elle est vraiment bien dessinée, je trouve. Et puis Tauros en reverse, donc c'est un bon booster. Hein. Lorsque vous trouvez deux rares en un booster, c'est quand même assez bien. On continue avec Mega Tortank, donc c'est le troisième sur 5 boosters. Hein. J'ai massacré le booster, mais c'est pas grave. Le code... La star Pikachu pour commencer. Charpentier, Nirondelle, Coquillas, Passe Rouge, le professeur Platane en supporteur, une super potion en dresseur, Bogueris en peu commune encore, en commune reverse, Ponchien, et Yveltal en rare. Ponchio, excusez-moi, et puis Yveltal en rare. Bah, il est super joli, hein. Parce que c'est qu'une rare, mais elle est belle. Hein. Franchement, bon booster, je suis assez content parce que je ne l'avais pas, cette rare. L'avant-dernier booster, Xerneas. On démarre avec Aspico. L'épidonie. Cabriolen, Voltorb, Mascaïman, une dresseur roller, Carton Rouge, Delcati, et les Dell en rare reverse, donc c'est la deuxième rare reverse qu'on a, très très jolie. Et pour finir, on a Exagide en rare. Voilà, deux rares en un booster encore une fois, donc bon booster.
Et on termine peut-être en beauté avec le Xerneas, le dernier. Alors, on commence avec Zorua. Ce n'est qu'une commune, mais je ne l'avais même pas, dites-vous. Donc voilà, Zorua, donc Aspico, l'énergie ténèbre, obscure, Pikachu, Charpentier. Donc là, on attaque les peu communes avec Dodrio, Ténéfix, Rappelmax, encore une rare reverse, donc la troisième, c'est Betochef. Et puis pour finir, Xerneas en rare. Bon, bah, aucune holo ni d'ultra rare dans cette ouverture, mais tout de même, donc les deux stars d'XY, Yveltal et Xerneas, en rare. Donc voilà, je suis assez satisfait quand même. Mais bon, j'aurais bien aimé une holo, donc on verra pour les prochaines ouvertures s'il y en a. Qui sait, peut-être que j'aurai de belles surprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.